Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Like et subscribe because he speaks English, you know. Yeah. Abonnez-vous à ma chaîne Mélodie Louchou. Non, abonnez ma chaîne. T'as pas de chaîne toi encore? Parce que j'ai besoin beaucoup d'abonnés. Moi je vais avoir une chaîne bientôt. Martin ah bon? Gamer. Martin Gamer, ouais? Oui! Ok, d'accord. Ok, bye! Donc, je vais parler à mes abonnés. Oui? Ok, bye! Non! Non, tu dois pas rester. Mathis, peux-tu? Let's go! Maintenant que je suis toute seule, les enfants ont dit bonjour. Donc, merci pour tous ceux et celles qui se sont abonnés, ça me fait plaisir. Et je sais que je ne suis pas régulière et je sais qu'à chaque vidéo, je dis cette fois-ci, je vais vraiment sortir plus de vidéos, mais bon, je pense que je vais arrêter de le dire parce que je ne le fais pas. Donc aujourd'hui, ça va être une story time, toujours de mon expérience quand j'étais malade, que j'étais à l'hôpital. Donc la circonstance, c'était que j'étais à l'hôpital pendant un mois pour mon autogreffe de moelle osseuse. Donc, comme que je vous avais déjà expliqué dans les autres vidéos, j'avais un cathéter qui était juste ici pour pouvoir recevoir, faire les prises de sang, recevoir les traitements de chimiothérapie parce que moi, c'est très difficile à me piquer. Donc, c'était une méthode plus facile pour moi de ne pas me faire piquer, même si que cette partie-là, on devait me piquer, mais c'était moins douloureux que dans le bras et tout. Donc, une fois que les traitements de chimiothérapie étaient terminés, que j'avais terminé de faire mon autogreffe de moelle osseuse, que tout semblait normal, puis j'arrivais vraiment à la fin du mois que j'étais à l'hôpital, puis que ça se passait bien, les médecins ont décidé de m'enlever le cathéter, donc ça s'appelait précisément le porte-cath. Donc là, on a pris rendez-vous, ils sont venus me chercher cette journée-là. Donc, comment que ça se passe, c'est que c'était dans le département de radiographie. Donc, le médecin devait avoir l'image de radiographie en même temps qu'il devait me retirer le porte-cath parce que il y a une tige qui allait directement dans ma veine au niveau dans le cou, en tout cas. Bref, à quelque part ici, ça passait dans une de mes veines pour pouvoir justement avoir les traitements puis l'autogreffe de moelle osseuse qui se faisait par ici. Donc là, j'arrive dans la salle. Il y a l'équipe habituelle. Le médecin n'est pas encore arrivé, mais en tout cas, il y a le médecin, il y a les infirmières, il y a l'anesthésiste qui est là pour... là, c'était pas endormi, c'était vraiment pour me geler la peau. Et aussi, il y avait, si je me souviens bien, en tout cas, je sais qu'il y avait un étudiant, mais je ne me souviens pas s'il y en avait d'autres. Je pense que oui. Mais en tout cas, il y en a un qui m'a, comment on pourrait dire, qui s'est démarqué. On va dire ça comme ça. Il s'est démarqué. Donc, on m'installe, j'arrête de dire de ton. On m'installe. Sur la table. Donc, la table est en métal, justement, pour que ça soit plus facile à nettoyer. Et sur le dessus, il y avait la machine pour la radiographie. Donc, on m'installe, le médecin me pique pour me geler, pour geler la peau, pour pas que ça fasse mal. Donc, une fois qu'il commence à faire ça, il attend quelques minutes pour que ça fasse effet. Ensuite, c'est là où tout le drame va commencer. Je sais, j'ai pas eu de chance dans ma malchance. Bref. Donc, le médecin prend le scalpel avec moi. Donc, moi, j'étais sur la table. Position encore sur le dos. La tête en haut comme ça. Et un peu tournée vers la droite, je me souviens bien. Donc, tournée vers la droite comme ça. Et moi, de la manière que j'étais, je pouvais voir l'écran de radiographie, je pouvais voir le cathéter avec la tige qui allait dans ma veine. Donc pendant que je suis comme ça, la tête surélevée, tournée, c'est-tu ici?
Oui, c'était ici. Non, c'est ça. J'étais de l'autre côté parce que c'était ici. Donc, ma tête tournée ce côté-là, un peu vers le haut. Ouais, puis le, parce que oui, le médecin était sur ce côté-là, donc mon côté gauche. Donc, l'écran était vraiment là. Donc, je suis comme ça. Et là, une fois qu'il pense que je suis gelée, il fait l'incision. Mais honnêtement, pour ceux qui n'ont jamais eu le fait d'être gelé puis ensuite d'être coupé, l'effet est désagréable, disons. Ça fait pas mal, mais c'est vraiment désagréable parce que tu le sens là. Puis vu que dans le cathéter, il y avait quelques bosses, donc quand il passait dessus, je sentais, ça fait... Mais juste à y penser, j'en ai des frissons. Bref. Donc, il est en train de couper. Pendant qu'il coupe, moi, je sens que ça coule et c'est chaud. Mais j'ai pas mal. Mais je sais que, de toute façon, quand tu fais une incision, le sang, il coule. Donc, je sentais vraiment que c'était chaud. D'où pourquoi on est couché sur une table en métal, qu'il n'y a pas de drap, rien. S'il y avait du... En tout cas, bref. Donc, je sens que ça qui coupe et le sang commence à couler. Donc, moi, dans ma position, je suis comme ça, tête tournée, et je ne vois rien parce que je peux pas bouger. Je ne peux pas bouger parce qu'il est en train de faire l'incision et ensuite, il doit retirer le cathéter avec le tube qui est inséré dans ma veine. Et là j'ai mis... mes assistants qui vont faire le bruit que j'ai entendu. Les enfants! Vas-y, cocotte! Ok. Donc, le... Merci! Le bruit est similaire à ça, mais même en plus gros. Parce que je savais qu'il y avait un chariot en arrière de moi. Avec tous les instruments que le médecin a besoin. Donc, j'entends ça, puis je sais pas... Moi, je sais pas qu'est-ce qui arrive, là. J'entends juste ça. Dans ma tête, à moi, c'était que... Il y a quelqu'un qui a fait une grosse gaffe, là. Qui a accroché l'affaire, puis que tous les instruments sont tombés. On s'entend, c'est supposé d'être stérile. Le médecin essaie de continuer. Non, ça... Le médecin attend de faire l'incision... Il s'est arrêté un peu pour regarder qu'est-ce qui se passait. Il a retiré le cathéter. Puis, il a mis une toile, la toile, le genre de tissu bleu là pour vraiment, pour que ça soit stérile. Donc, il a mis ça sur moi, puis il m'a dit, ne bouge pas, je reviens. Fait que je sais qu'il est allé en arrière de moi pour savoir qu'est-ce qui se passait. Mais moi, je savais pas, j'entends juste, oh my God. Puis... Il y avait plein de personnes qui bougeaient, mais moi, je suis là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est à la fin que, comme là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on me dit que l'étudiant qui est là en radiographie, l'étudiant s'est évanoui à la vue du sang. L'étudiant s'est évanoui alors que je suis en train d'avoir une mini-opération. L'étudiant s'est évanoui. J'ai jamais vu ça de ma vie là. Donc, toi, tu es étudiant en médecine. Et tu t'évanouis. Mon gars. Bon, en plus, j'ai entendu. Ah, mais il est tout blanc, il est tout blanc. apportez une compresse. Il y a tout ce temps là. Moi, je suis là avec le drap sur moi. Puis, je peux pas bouger, mais j'entends tout ce qui se passe. Le médecin qui est allé là-bas. Là, je sais qu'après ça, là, ils ont attendu d'avoir tous les instruments qui sont stériles encore. Le médecin qui revient, là, ils ont été d'évacuer l'étudiant. Fait que là, le médecin revient. Puis là, il dit, OK, ben, dans l'étape, il reste juste à me recoudre. Et comme j'ai dit, OK. Il commence la première pointe de suture. J'ai fait... Il dit, oh, ça fait mal? Je dis, oui, ça fait mal. Il dit, ah, mais ça veut dire que tu as eu le temps de dégeler. Il dit, mais là, le temps que je te repique, le temps d'attendre que ça fasse effet,
ça va prendre trop de temps. Fait qu'il me dit, on n'aura pas le choix de terminer ça à froid. On n'aura pas le choix de terminer ça à froid. C'est pas... Bon, pour ceux qui ont déjà accouché, c'est ça, ça doit faire mal. Moi, j'ai accouché, mais c'était par césarienne, donc déjà là, j'étais gelée. C'est après que ça faisait mal, mais... Yo, man, vous vous êtes déjà fait faire des points de suture à froid, là. C'était, moi, c'était la première fois. C'était ma première fois, tout c'était ma première fois. L'étudiant qui s'évanouit pendant une intervention et me faire des points de suture à froid. Donc là, après la première, il me dit, ok, s'il te plaît, essaie de ne pas bouger. Je sais que ça va faire mal, mais essaie de ne pas bouger, s'il te plaît. Ça va aller vite. Il fait premier. Ça fait mal. Il fait deuxième. Là, je suis comme... Ouf. Là, c'était comme, tu ne peux pas bouger. Fait que moi, je suis comme ça. J'essaie de ne pas... Mais à chaque fois qu'il rentre... Dieu, pourquoi j'ai raconté ça? Ça fait mal. Mais bref, il a fini par me recoudre. Oh my God, c'était pénible. C'était pénible. Non, une fois fini, on met le pansement et je retourne dans ma chambre. Mais je pense que qu'est-ce qui s'est passé dans la salle d'opération? Ça a fait le tour de mon étage parce que toutes les infirmières riaient, toutes les infirmières riaient. Puis à chaque fois qu'ils rentraient dans ma chambre, ils disaient... T'as pas eu de chance, hein? T'as pas eu de chance que l'étudiant en médecine s'est évanoui durant ton intervention. Je dis non, j'ai pas eu de chance en plus de terminer les points de suture à froid, là. Ouf. Bref. Donc, voilà qu'est-ce qui s'est passé, que l'étudiant s'est évanoui lors d'une intervention. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. Et si jamais vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde et tout, mettez-les en commentaire. Puis encore une fois, merci pour tous ceux et celles qui se sont abonnés dernièrement et tous ceux qui sont fidèles puis qui me regardent. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, ça va me faire plaisir. Puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye! Thank you.